Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage Z-Box. Et là, ce coup-ci, ils nous remettent enfin les boîtes Z-Box. Alors, on a de nouveau les boîtes Z-Box, ce qui est bien, parce que pendant un moment, on avait des boîtes un peu cheloues. Ils avaient peut-être plus de stock, je sais pas. Bref, là, je sais que c'est la Z-Box, puisque c'est bien indiqué dessus. C'est la Z-Box du mois de février. Je ne connais absolument pas le thème, donc ça va être une réelle surprise et on va découvrir ça ensemble. Alors, il y a une boîte cristal, donc je pense qu'il y a une pop. Il y a un petit t-shirt au fond. On va prendre le t-shirt. Je vais le déballer sans regarder. J'essaye de prendre par le col en espérant ne pas le prendre à l'envers. Alors, déjà les bleus marines. Je ne vois pas le décor. On va voir ça ensemble. Alors, oh, c'est quoi Marilyn Monroe? Oh, Harley Quinn! Non, c'est Harley Quinn! Ok! Bon, Harley Quinn, c'est plus pour les meufs. J'avoue que moi, je suis pas très fan d'Harley Quinn. C'est pour la sortie du film Birds of Prey. J'espère que je le prononce bien. And the plus Harley Quinn, hein. Voilà. Donc, limite, qui est maintenant, en fait, c'est Harley Quinn, le film, en fait, il pourrait s'appeler. Donc, voilà. En taille M, homme. Je suis pas fan, moi, personnellement. Mais bon, ça n'engage que moi. Par contre, c'est un très bon article. Je pense que ça ravira pas mal de monde. Plus les meufs, je pense. Alors, on continue. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit truc, là. Ah, une figurine Catwoman. Une figurine Catwoman. J'ai déjà eu des figurines comme ça. C'est Eagle Moss, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Eagle Moss, c'est ça. C'est des figurines Eagle Moss. On en a déjà eu. Je crois qu'on a eu du Doctor Who dans les Z-Box, déjà. Si j'ai pas mon cutter, forcément, ça va me embêter. Alors, voilà à quoi elle ressemble. Elle a l'air en métal ou en plomb. En tout cas, c'est un alliage métallique. C'est pas du plastique. Comme vous pouvez le voir, le visage est bien fait. Les finitions sont pas mal. Là, le fouet n'est pas cassé. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup c'est assez fragile je pense. 2008, a priori c'est marqué dessus, donc c'est du vieux stock, numéroté. Donc voilà, pour les fans, je sais pas combien ça peut valoir, mais on en a régulièrement dans les Z-Box, en tout cas ça fait un petit moment qu'ils en mettent. Bon, pour l'instant c'est surtout des héroïnes, est-ce que ça serait ça le thème de la box? Aucune idée, on va continuer. Dans notre découverte, on va voir ça avec le prochain article. Je crois que c'est même le dernier. C'est une grosse. Ah non, un petit truc là. Oh, un petit pins Black Widow. Pinfinity Comics Group. Je connais pas, voilà, en tout cas c'est sympa. Et donc, a priori, oui, c'est que des héroïnes, du coup, ça peut être quoi? Ça a l'air d'être une figurine, ça peut être du Captain Marvel, ça peut être du... Ah, je pense plutôt à du Wonder Woman, peut-être bien. Ouais, je parie sur du Wonder Woman. Alors, c'est parti, on a une grosse figurine. Oh, et ben non, c'est du Harley Quinn. C'est du Harley Quinn, c'est une grosse figurine bombshell de Harley Quinn. Elle est super propre, n'empêche. Ah ouais, vraiment, vraiment sympa. Super grande. Voilà à quoi ressemble de près. Franchement, le rendu est super propre.
Petit détail, donc du coup elle est posée sur un... Le socle, c'est un missile. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Le socle, c'est un missile. Franchement, super propre. Même le haut. Et très très grande figurine. Donc, je sais pas combien ça peut valoir de base, mais là, elle est vraiment énorme. Très surpris, bah j'aime bien. Franchement, c'est mon produit, dites-moi, mais moi, c'est mon article préféré de la box, là. De toute façon, vous l'aurez compris, je préfère les figurines, moi. C'est ce que je préfère. Et donc voilà, et bah écoutez, j'espère que ce petit déballage vous aura plu, cette petite découverte. Dites-moi ce que vous avez apprécié dans la box de ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine Z-Box. Ciao les gens! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant les prochaines vidéos, tu peux déjà regarder celles qui s'affichent à l'écran. On revient très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en cliquant juste là.